Bonjour, dans cette vidéo sur le logiciel utilitaire CCleaner, je vais vous montrer comment vous pouvez nettoyer les programmes, c'est-à-dire les désinstaller. Pour ce faire, ouvrez le programme, puis vous allez aller dans Outils ou Tools en anglais, et dans Tools, vous avez une section qui se nomme Désinstallation où vous allez pouvoir sélectionner les programmes à partir de la liste, ces programmes que vous voulez enlever de votre ordinateur. Sachez tout d'abord que Rename Entry, qui signifie renommer l'entrée, va vous permettre de renommer le programme, mais cela n'est pas nécessaire, et que Delete Entry va vous permettre d'effacer l'entrée, mais ne supprimera pas le programme. Il vous faudra utiliser la fonction Run Uninstaller pour lancer le programme de désinstallation. Nous allons ici choisir un programme dans la liste par exemple, nous ne savons pas à quoi correspond ce programme. Nous voulons le désinstaller. Mais pour être sûr, prenons plutôt un autre logiciel que nous ne voudrions pas. Si par exemple, vous avez procédé à l'installation d'un logiciel après que vous ayez ouvert CCleaner, il vous faudra dans ce cas-là relancer CCleaner. Ce que nous allons faire, donc après avoir relancé votre logiciel, vous remarquez qu'il y a un logiciel que vous voudriez désinstaller, mais que vous pourrez bien sûr réinstaller par la suite. Ceci est juste pour vous montrer comment procéder pour désinstaller correctement un programme de votre ordinateur. Cliquez maintenant sur Run Uninstaller et patientez pour voir ici cette fenêtre vous indiquant si vous êtes sûr de complètement désinstaller Everest Home Edition et tous ses composants. Cliquez sur « Oui » pour valider et vous voyez que le statut de désinstallation est en cours et vous entendez un jingle vous indiquant que Everest Home Edition a été correctement désinstallé de votre ordinateur. Il vous reste à cliquer « OK » et à vérifier ensuite dans la liste que Everest n'apparaît plus. Vous savez maintenant comment procéder pour désinstaller un programme. La formation est terminée, c'est à vous.